Nous avons laissé nos familles et emplois derrière nous, sur ordre du clergé, pour protéger le pays, la doctrine et les lieux saints. Notre devoir est de défendre non seulement les murs du tombeau et ce qu'il y a dedans, mais aussi la zone de 3, 4 ou 5 kilomètres qui l'entourent. Nous maintenons une ligne de défense autour du tombeau, mais pas toute la ville de Najaf.